Bonjour à tous et bienvenue sur The Last Hop, la multicoop sur Stellaris, on va essayer de survivre. Bonjour Slan et bonjour Féa. Bonjour. C'est le 7ème épisode et on survit. Féa, tu prends un petit peu sur la tronche. On est tranquille. Oh, on est bien là, on est bien. Alors tu demandais le score. Quand tu regardes le journal de bord, le journal de bord c'est F2, tu as un onglet en bas, c'est victoire. Ouais, alors. Ouf, pandémia. 3ème. Ouais, on est tous dans les derniers, quoi. Non, le dernier, c'est Myrmidon Swarm, parce qu'on est en train de le défoncer. Ouais, voilà. Et donc, t'as vraiment les trucs puissance économique, tout ça. Si je regarde moi... Ah non, c'est notre voisin. Niveau techno, je suis 105. Tu es 75, Slan. Et si on regarde Féa, il est 80. Ah, c'est moi qui suis en avance en techno. Oui, depuis un moment. Par contre, je vois pas... D'accord. Alors, tu m'as envoyé un accord que tu disais au début qu'il fallait pas que je prenne. C'était quoi L'accord de recherche. On le laisse tomber. Oui, on n'aura pas assez d'influence pour l'instant. Mais tu m'as envoyé une... Parce qu'on a discuté un peu en off. On va refaire play, du coup. Et ouais, je ne vois pas le maraudeur. C'est une communication que tu m'as envoyé. Oui. Ah. Attends, on va refaire... Bah, je vois rien. Étrange. Alors, il se trouve... vraiment à côté d'Istrum. Il bloque Istrum, le lien d'Istrum. De l'Empire Pandémia. Bah c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Je t'ai envoyé un nouvel accord de toute façon. Pour voir si c'est pas plutôt un souci des deux communications. Moi j'ai une carte toute moche avec des couleurs toutes moches qui s'est mise et je sais pas comment l'enlever. Ah ça y est, faut cliquer sur carte de l'Empire. Ouais. Alors le partage du monde, j'ai ouvert Aslan mes portes, je lui ai dit vas-y monte, tu pourras monter jusqu'à Roscan si tu peux. Et moi... J'y suis bientôt là, j'ai plus rien à faire avec mes ressources. Ah bah du coup, est-ce que je vais bloquer Gallumum peut-être quand même s'il y a un voisin assez agressif. Je suis parti pour bloquer Pandémia de toute façon, je vais plutôt faire ça aujourd'hui. Moi je serais toi, je ferais des stations jusqu'à Proton directement en fait. Proton, voir la suite. Bah si je peux, je vais essayer, j'ai tout exploré déjà, mais c'est un problème d'influence, c'est effrayant. Du coup, je reviens sur les politiques, tiens. Ah. Si j'enlève la purge, parce qu'on s'en fout, ça, les essences, c'est pas trop... Il faudra que les Xenos, je n'ai plus de purge, et surtout que je sois passif pour les primitifs. Est-ce qu'il y a des primitifs par chez moi? Non. Eh ben moi, je vais faire un peu de politique pour ce début d'épisode. Purge. Politique, purge, bravo. Ah bah bravo. Ah bah, on va la prohiber. Ah. Ah, déportation uniquement, mince, je pourrais plus déporter, mais... Si, je peux déplacer mes robots, ça n'a rien à voir. Déjà encore une flotte. 400, 500. Et les natifs Ils te renvoient encore une flotte. Aïe, 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 aïe. 500. Et le problème, c'est que j'ai commencé à manquer d'amoureux. Ma faction est heureuse. Pourquoi ma flotte militaire de 5 vaisseaux, elle fait que 152 de puissance? Parce qu'on n'a pas les technos qui vont avec. C'est tellement pourri. Bah oui. Ouais, tout est comme ça. Allez, on va faire un peu de science. Donc on a un grave problème d'influence, ça c'est clair. System surveyed. Oh, yeah. D'accord. Oi, je me fais attaquer. L'hydre attaque sur Otriga, c'est ça? Oui. Et alors, comment ça se passe? 967 contre ma base à 911, ça passera. Je vais me faire dégommer. Mince, ma flotte à moi, elle est comment? Ursa One, je suis à 265. Eh ben je la monte, hein. T'as une station de défense qui bloquerait où, toi, après? Alors, t'inquiète pas, j'ai une base juste derrière, à Irtius. Ouais. Parce que pour l'instant... Par contre, je suis pas du tout protégé sur la gauche. S'il passe à Sigizone, eh ben, il passe. Faudrait que j'envoie ma flotte directement là-bas, mais il faudrait une station... Il ramène une autre flotte. Ah ouais, faudrait que tu bloques... Punaise, où est-ce que tu peux bloquer, toi? À 10 tuiles, pas avant. Ah si, à Osilip ou à Betria, faudrait que tu fasses quelque chose, mais...
Aïe aïe aïe, les missiles, bam. Bon, il perd un peu, mais il est toujours en supériorité. Et puis, bon, bah, de toute façon. J'amène déjà ma flotte en préventif à 10 tulles. Au cas oh où là là, les points de vie tombent à toute vitesse. Et lui, ça tombe pas du tout. Pourquoi il tombe pas du tout ses points de vie à lui? Il faut que tu relookes tes flottes. Ah, bah oui, c'est ça. Stop. Parce qu'ils ont. Attends, je voudrais comprendre. Je mets en pause, je voudrais regarder ce qui se passe. Hein. Donc, lui, il a des. Il a deux boucliers. Points de coque qui bougent pas, il a du blindage, il a du bouclier. Voilà. Et mes flottes, elles font des dégâts. On manque de points de défense en fait. Et, ils misent tout sur les missiles et du coup ça. Il a des missiles, mais c'est les mêmes missiles que ce que je viens de faire, le salopard il m'a copié. Oui. Mais il a aussi des lasers, il n'y a pas que des missiles. Il faut attaquer sa coque directement, nous, c'est ça? Il faudrait faire, ouais. Ouais. Faudrait attaquer son blindage. Et il a quoi comme truc? Des missiles, il faudrait du point de défense et du blindage. Il faut qu'on fasse du point de défense et du blindage. Et ok, oui. Je laisse en pause, je vais relooker mes vaisseaux. Vas-y. Non, je redémarre, de toute façon, je vais crever. Donc, on y va. Concepteur de vaisseau, point de défense et blindage. Donc, ça. Elle est où ton dernier rempart après ça quand ça tombe? J'en ai un juste derrière la même, mais c'est la même. C'est le problème, c'est que ça tombe à toute vitesse. Autrement, c'est Veldun alors. D'accord. Après, c'est ma capitale. Hein. Ouais, bah, j'envoie du monde à Veldun, mon armée, mais bon, petit hein, pour l'instant, 326. C'est quoi la différence entre sentinelle de défense rapprochée et batterie? C'est les. Si t'envoies des missiles, tu peux les détruire. Ouais, mais les batteries, c'est canonnière, tu regardes des bonus après. Après, les batteries, c'est bien meilleur. Que les points de défense. Il faut vraiment. Ouais, c'est bien ce que j'étais en train de voir. Au niveau ciblage, elles étaient largement meilleures. C'est ça. Et ça fait des dégâts sur les corvettes plus facilement au niveau ciblage, alors que les autres ne font que dalle. Donc ça permet de. Ok. Et donc lui, il fait des dégâts. Nous, il faut qu'on mette de la. Des blindages, c'est ça? Ouais. Et quand même un bouclier. Voilà. Ça y est, c'est terminé. Je vais l'appeler Thor Beta. Punaise. Ouais, j'ai beau booster. Alors que la Murder Flute est en cours d'amélioration. Aïe. Mais je veux faire un nouveau modèle alors, non? Ok, nom de Dieu, ils sont. En fait, il a vu que toi, c'est le point faible, ouais. Ah la vache. Aïe. Mais il me l'a pris, le cochon. Le problème, c'est que sa flotte, elle est toujours là et qu'il va attaquer. Bah, je suis à 326 et je construis comme je peux. Hein. Construis plus vite. Je suis à plus 17 d'alliage, c'est tout ce que je peux faire pour ça. T'es à plus 17 d'alliage, moi je suis à plus 24 et j'ai 800. Est-ce que tu veux? Ah bah carrément. Merci. Carrément. Bah prends, fais une demande. Moi je produis pour vous. Allez-y. Et t'as pas une flotte à augmenter de ton côté? Si, mais je fais pas des bons vaisseaux moi, alors allez-y vous. Mais moi non plus. Hein. Oui, mais nous, on est loin. Ah, mais tu veux pas me donner d'alliage? C'est du moins 34, je peux pas. Pourquoi? Parce que on s'entend mal. Comme ça, ça serait à toi de me les donner, ouais, c'est à toi de me faire l'accord, moi je peux pas. On n'a pas la même politique, t'es tellement démocratique. Oh, mais t'es pénible aussi. Alors, journal de bord. Non, contact. Ah, il me manque 5 Tu t'appelles les unités régnantes et spatiales, c'est ça? Ouais. Ursa, c'est moi. Communiquer. Proposer un traité migratoire. Et accroîtra cet empire envers nous deux et jusqu'à maximum ça. Voilà, déjà ça va ouvrir les frontières. Confirmer. Et voilà. Proposer un accord commercial. Donc et ressources stratégiques, alliage. J'ai oublié de faire ma cartographie des étoiles en début de partie pour monter la vitesse d'exploration. Ouais oui. J'étais bête. C'est tellement long. Ah, il y a un problème ici. C'est quoi? Pourquoi je ne peux t'envoyer que 98? C'est un mystère. C'est un mystère. Alors. Ah oui, tu m'as envoyé 98, c'est ça? C'est ce que tu avais en stock, je pense. Non, tu m'as pris 98. Tu m'as pris mes ressources. C'est quoi ces trucs migratoires? Mais moi, je veux pas. Je vous aime pas, je vous connais pas. Ça va aller mieux dans l'autre sens. Allez, tiens. Ah là là. J'ai plus rien. Merci. Ah, carrément tout ça. Bon, bah écoute, c'est bien. Là, on va fabriquer à fond. Allez, on va consommer. J'ai tout lancé là en production.
J'espère bien, il faut que ça arrive maintenant, hein. Ça arrivera doucement. Il faut que tu tiennes. Je peux pas tenir, j'ai pas d'alliage. Ah, mais ils sont plus chez toi? Ah si, ils sont encore... Si, ils sont chez moi, si, ils sont chez eux maintenant, en fait. T'as combien de défense à Iritius? Pareil. Moi, j'ai que 300. Hein, je vais tout aussi vite. Sauf que je lui avais détruit toute petite partie de sa flotte. Et il t'envoie du combien en face? Du 1K? Ouais, à peu près, ouais. Ah, moi, je suis que à 0,3K, donc pour l'instant, petit pousset, quoi. Comme ça, t'es 0,3K. Il faut que tu boostes. Ouais, ouais. Alors, mauvaise nouvelle, ma base est redescendue à 400 de force au lieu de 1000. Je sais plus pourquoi. Je sais pas pourquoi. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Oui. Et il me faut des alliages, vite. Il a pas des trucs à vendre, là. Non, il te faut rien. Faut que tu te débrouilles maintenant. des alliages. Alors, la dilibatrice est mieux. Ok. Les lasers rouges, toc toc. Ah, il y a même des. Mais moi, je suis redescendu en alliage. Je comprends pas pourquoi. On se reconsole. Alors, ou... il faut pas s'occuper d'un de nous. Ah, ils veulent faire un œuvre de paix. Super. Ah, bah oui. Statue. Non, ma planète. Non. Sérieux, non, refusé, c'est hors de question. Voilà, c'est refusé. Ma planète, c'est ma planète. Ils vont voir les autres pour dire oui, t'as rien perdu, tu veux pas faire la peur? Bah oui. J'ai un contact avec les artisans. Siphonnage, compagnie, ferme. Alors, ma flotte, elle est où? Elle peut s'améliorer maintenant. Allez, on la transforme, elle va être meilleure. J'ai une flotte de fédération, pourquoi je. Il faut que je fasse une pom-pom. C'est quoi ces new ships? Pourquoi j'ai des ships? J'ai amélioré ma flotte et je suis à 12 sur 22. Bon, c'est pas. Il semblerait que j'ai des chips. Ah, écoute, et ça se mange? Bah, je sais pas, je me demandais. J'ai des chips sur ma planète. Bon, là, j'ai tous mes vaisseaux civils qui foutent que dalle. Ah. Non, qu'est-ce qu'il fait? Alors. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est un site archéologique, c'est bon. Ah, oh, j'ai ouvert une porte, fallait pas. On a des découvertes de techno quand même, c'est cool ça. La next continuity découverte, ouais. Ah bah tiens, c'est cool, il faut que je prenne Galanum en urgence, c'est quoi ça? Ah non, préservateur ancien, ouh j'ai eu peur. C'est au nord de toi, Féa. Ah oui. Un empire déchu. Bah, d'ailleurs, ils font quoi, eux Préservateur, ils vont prélever des pop, hein, c'est ça? Ouais. En contact, on a des prélever des pop. Ouais. Pas chez nous. Si, en fait, ils vous proposent de gentiment récupérer des pop pour les archives, enfin pour les mettre dans un refuge. Rigolo. Et j'ai une flotte aussi qui tille ici. Ouverture des frontières, next continuity, pourquoi? Ils aiment bien. Le rubricateur. Ah, j'ai une flotte de lead qui se dirige vers moi. Mince, je me fais attaquer. 912 à nouveau. Non, c'est moi ça. Non, 912 contre mes 912. Il va encore me dégommer. Mais j'ai la flotte qui arrive. Mais bon, c'est 3 vaisseaux pour 100 points, donc j'imagine que c'est pas terrible. Bon, on va enquêter un peu. Alors, j'ai un truc qui clignote. Ah, mais pourquoi j'ai des pillards, hein? J'ai des vaisseaux pillards, moi. Oh, putain, j'ai plus d'énergie. Hostile fleet sighted. Comment faire? Aïe, 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 il m'attaque. Hostile fleet. Attends, c'est qui, ça? Ah, l'avantage, je commence à analyser des débris, il m'attaque plus. C'est quoi la flotte hostile à Dumir? J'ai une flotte à 800 et une flotte à 777. Allez, on part sur suprématie parce qu'on va être prudent. Et Irius, ça va tomber. Hein. Alors. Là, on est bon. J'ai un vaisseau de construction qui s'ennuie, il peut faire de la recherche ici. Allez, va. Bon, j'ai pas assez d'alliage pour augmenter. Oh, l'énergie. Bah oui, garde ton alliage maintenant quand même. Voilà, pour le coup, j'ai pas le choix. Je suis à 419 pour l'instant de puissance. J'ai 9 corvettes. Et il te défonce là, c'est ça? Ah bah oui, bah là c'est fini, ça y est déjà. Il est passé à toute vitesse. Hein. Ouais, s'il a un K, je peux pas tenir. Hein. Je suis en... Avec non, le il a 2K là. Il a 2K maintenant. Ah mais c'est l'horreur.
La flotte fédérale, elle est où? La flotte fédérale, elle est en train de faire demi-tour. Elle va à Distune. Elle va à Distune et j'aimerais bien transformer. Elle va même aller à Vidoun. Vidoun, elle a combien de défense, elle? Rien du tout, elle a 900 comme le reste. Ah, si ça tient pas, on est mort, quoi. Non, moi seulement. Bon, bah, moi derrière. Je vais essayer de faire une contre-attaque sur eux. Après, si tu fais une paix. Une contre-attaque, il a touché nous. Non, on fait pas de paix, je donne pas mes planètes, rien à faire. On peut crever plutôt. D'accord, pigez le let's play. Bah, je pense qu'une contre-attaque, ça peut vraiment aider. Hein. Il y a tout ça là. Oh, vous rendez compte, si on fait une paix maintenant, il a deux planètes de plus. Oui, ça va être l'hydre, l'autre va nous attaquer direct après. C'est bon, il est en train d'arriver avec 700. Non, il va attaquer le Myrmidon, je pense. Après, comme ça, il va finir se gaver et hop. Tu sais, oui, mais il va continuer à m'attaquer moi juste après, et puis vous aussi. Oui. Ah oui, c'est clair. Oh, j'ai plus d'énergie. Construction complete. Il ne s'arrêtera jamais. L'hydre. On va tout s'y passer. Trois flottes de transport, l'hydre. Ah oui, il a prévu de te bouffer, hein, clairement. Ah oui, il envoie une flotte de 775, c'est tout. Non, mais il y en a une deuxième à côté, méfie-toi. Mais je fais ce que je peux, je produis. C'est une erreur administrative. Non, mais j'y crois pas. Attends, on va vendre un peu. Des métaux aussi, on va vendre 1000. Hop, on va acheter un petit peu. 250. Qu'est-ce qu'on décide? J'ai perdu une amibe. Qu'est-ce que j'en ai fait? Dissection d'une amibe. On renforce la flotte, hein. Je fais au mieux, là, je vends toutes mes économies. Moi, je suis en crise énergétique. Et mes petits vaisseaux arrivent doucement chez toi. Bon, moi, j'ai une Nabib dans ma flotte. Ah, c'est bien, cool. Ça. Préserve-la, elle viendra grosse, elle sera énorme, elle sera forte. Ah, une gélatine crise. Je l'ai pas préservée, je lui ai dit de rejoindre ma flotte. C'est pas ce qu'il fallait faire, c'est ça. Si, tu peux la mettre dans ta flotte, mais elle va se faire tuer peut-être. Oh, ça va donner de la puissance au début. Mais évite de la faire tuer au début quand elle est juvénile, quoi. Après, ça sera colossal. D'accord. Je vais la mettre à Eagle, alors. Mon vaisseau scientifique est en train de leur piquer leur technologie avec toutes les batailles. C'est plutôt pas mal. Il est à Bestia avec 468. Il a de moins en moins, là. Si tu veux y aller avec ta flotte. Je suis à 513. Il est à 468, là? Non, c'est pas assez. Il faut que tu sois plus. Ouais. Ou alors, on y va ensemble. On peut déjà avancer sur Distul. Moi je suis à 428. On va avancer jusqu'à. Sac Max. Yakadin. Qu'est-ce que j'ai là? Un négociant? Salut. Yakadin? C'est où Yakadin? Ah oui, d'accord, là-bas. Okay. On avance de 2 parce qu'on est plus fort que sa flotte pour l'instant. Donc il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Ah ouais. Bon, je vais essayer de revendre encore des minéraux. Réessayer de faire derrière de la production à chier. Je revends 1000. On va racheter 125, c'est tout? 1500, ah ouais. Alors le marché, je dois vendre un petit peu de nourriture. System surveyed. Oh, c'est un... Il y a des systèmes magiques, ces planètes sont extrêmement riches. Allez, là. La flotte est déjà à sa puissance maximale. Ah bah je vais arriver à 20 corvettes alors. Special project complete. Je suis à 12. On les détruit, on s'en fout. Ah, punaise, oui. Je suis à 559 de puissance. Mon amiral est comment, lui? Ah, il est pas génial. Construction complete. De toute façon, on va continuer à avancer, là, hein, parce qu'ensemble, on a presque 1000, hein, non? Bah moi, là, je suis à bientôt 600, si ça fusionne. Excellent. Par contre, j'ai rien pour les lignes de commandement. Il faudrait presque que je fasse une autre flotte. Hein. Bah oui. Moi, j'en fais 3 de plus. On avance jusqu'à Olsip. Ok. Parce que s'il me débarrasse du nuage, tant mieux. Il y a 995 de nuage. Fais attention quand même. Techno, laser bleu, vitesse de recherche. Tu vas contre-attaquer ou pas, toi? Je suis en train de contre-attaquer sur... Mais ouais, tu contre-attaques et tu gagnes. Mais oui, bon. J'essaie de faire une diversion. Regarde ce qu'il est en train de lui prendre, là.
Qu'est-ce que j'ai? Conservateur qui tombe dessus. Bon, ah, tu vas au zip? Ok. J'ai pas la force d'aller sur ces stations, par contre, encore. Mais je vais essayer de piquer toute la constellation derrière pour le... Réduction des boucliers ici. Ceux qui ont beaucoup de boucliers perdent 100% de leurs boucliers. Ce système n'est pas bon à Ozip. Tu vas perdre en puissance, regarde. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous embête? Regarde, quand il y a, tu vois le nom Ozip quand t'es dans le système, en bas à droite, là, ouais. J'avais appris à bloquer. Système ouvert. Et regarde, il y a le nuage rouge. Ouais, mais en même temps, en même temps, j'ai pas de bouclier. J'en ai un. Mais attends-moi, et du coup, on va à Betria ou pas? Ouais, on y va, go, du coup. Alors, j'y vais. Je me lance. On va reprendre tes stations, on va essayer. Mais avant d'attaquer Irius, il faudra que je remonte un peu en puissance. Voilà. Ursa One est fait. À toute l'ascension, protection du commerce. Allez, j'ai validé un truc. Je peux prendre un atout de l'ascension. Ah bah, prends. Bah, je ne sais pas quoi prendre. Je vais réfléchir en deux épisodes, surtout que c'est bientôt fini. Ouh, oui, bah, le mec que je viens de... C'est bon, je suis arrivé à Betria, c'est CF1. Je prends ces systèmes et je détruis ces stations. Je contre-attaque. Mince! Non, c'est moi qui attaque. Ouf. Tu me fais peur là, attends-moi. Non, c'est bon, c'est une petite station. Parce allez, j'ai le tésor charge plus 5%. Ursa One n'est pas arrivé. Ursa One arrive. Qu'est-ce que c'est ça, pleine maturité? J'en fais quoi? Comment je l'appelle? Bubule, c'est mignon, hein, j'aime bien. Après, tu choisis, hein, c'est pour toi. Ça sera Nova. Eh ben voilà, la Fédération. Fédération à notre sauce. La flotte est engagée, j'arrive. J'espère que ça va bien se passer. Pourquoi c'est toi qui dirige la Fédération maintenant ou toujours pas? Toujours pas, non, non, c'est très long. Hein. Il veut toujours la paix avec le statu quo, j'imagine. Donc, pénurie critique. Oh, mais il me saoule. Pourquoi critique? Qu'est-ce que tu veux? C'est pas critique quand t'as plus rien. J'ai de tout. Non, je vais vendre. C'est bon, j'ai vendu un truc. J'avais éventuellement 1500 métaux qui pouvaient servir pour construire. Ma flotte va se faire dépop par sa flotte, mais du coup, la diversion a fonctionné. Bon, je vais, moi, de ce côté-là. Toi, tu fous quoi, là? Bataille de Betria, mais... Aïe, aïe, aïe. Ah oui, il fait de la recherche, d'accord. On continue à avancer. Attends-moi deux secondes, je reprends mon truc. Oui, Ursa One est toujours... Pourquoi je suis en rouge? Ah oui, d'accord. Ok, c'est parti. Special project complete. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? Lassitude de guerre élevée. Ouais. On est à 100% tous les deux. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut faire paix à n'importe quand, là. Aïe, 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 aïe. Mais je vais perdre mes trucs, là. Eh ben, on avance. Allez, go, faut y aller, faut foncer. Allez, moi, j'attaque la base. Alors, Ursa Segundus. J'ai une frégate qui se promène, moi. Je suis au combat. Où ça? C'est sa base, c'est sa petite base. Ok, système reconnu. Scientifique. Qu'est-ce qu'ils font? On va là-bas. Eh ben. Construction, construit une base. Aïe, aïe. Scientifique. Va là-bas. C'est quoi ce château là? Il y a une station d'un empire inconnu? Alors, Ursa One, comment ça se passe? Bon, on est bien là? On est bien, je sais pas. Repoussé et là ils sont en train de repasser. On a 24 mois en fait pour faire la paix. On a 24 mois, on est tranquille, ouais. On est tellement large. Et là t'as un cas de flotte qui arrive chez moi, de l'ennemi. Alors, est-ce qu'on va tout de suite à Eritius? Ouais, moi je suis lancé là. D'accord, c'est parti. Non, parce que j'ai des corvettes qui arrivent derrière encore, c'est pour ça on renfort. Ouais, mais je vais me mettre un petit peu en attente. Mince, pénurie critique à nouveau. C'est pas vrai. Fais pause si tu veux le temps de gérer ça. Bah y a rien à gérer, j'ai pas de sous, j'ai pas de ressources, je suis en train de dépérir, j'ai même plus de planète. Attends ma flotte par contre, je sais que t'as basculé sur l'autre système, attends-moi. Quoi déjà? Ouais. Ok, je suis pas prêt. C'est toi qui as fait pause là, c'est bien. Bah elle est où ma flotte? Elle est pas là. On se donne rendez-vous à l'entrée du système. Bah je la vois pas encore, j'enlève la pause. Ah, elle est là. Oh là là. Ah ouais, attends-moi. Hein. Il a une flotte en dedans. Oui, alors sa flotte, c'est quoi? C'est les transports et un scientifique. Oui. Ça va aller.
Du coup, sa base est à 989 quand même. Bah, elle est bien ma base. Elle est mieux quand c'est lui qui la gère, mais elle est bien sinon. C'est la flotte de Fédération, il faut qu'elle attende un petit peu. Ouais. On va être à... Voilà. On y est ? On y va ? Bah, on y est, mais le truc, c'est qu'il va falloir espérer ensuite que ce monsieur n'amène pas de flotte. Parce qu'elle eh bah, là, on reste là pour l'instant, dans ce cas-là. Reste là, attends. Bah non, parce que non, plus on attend, plus on a une chance de voir la flotte arriver. Donc. Bon, on tente. Derrière, je monte, ok. Il n'y a rien d'autre à faire que de tenter. Segundus, du coup, la flotte est déjà à sa puissance maximale, gestionnaire. Corvette, Rigolus, 15. Bon. Allez, c'est engagé. C'est engagé. Alors, j'ai des vaisseaux spéciaux pour défoncer tout ça qui arrive bientôt. Mais ils sont pas là. On va savoir comment ça se passe, si on recule ou si on avance. Déjà, il a plus de bouclier en 2 secondes. C'est beau ça. On va y arriver. Ouais. On est quand même pas large du tout en fait en vrai. Faut que ça tienne. Mais on renvoie des flottes. C'est ça, c'est surtout ça qui est bien, c'est qu'on renvoie là pour l'instant. Chantier spatiaux. Hop là, j'en fais une autre. Écoute, j'envoie tout ce que j'ai, hein, tant pis. Hein. Non, même militariste. Ah, et la flotte arrive! Nom de Dieu, il faut défoncer là! C'est quoi sa flotte qui est arrivée? Elle est où? Elle est à combien? 800! Est-ce qu'on peut tomber la station avant qu'il arrive? Non. Ça m'étonnerait. Ah, il va pas vite. Attends, mais il est où? Il va pas vite. Oh là 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 là! Non, on va pas l'avoir, attends. Hein. Allez, vas-y, il faut la tomber. Aïe, ça va. Alors là, je pense que ben en escadre. Si on tombe la station. 584, je perds là, un petit peu. C'est pas grave, lui aussi il a perdu beaucoup. Il a perdu plus de 100. Hein. Et la station, elle commence à perdre de la puissance. Ok, elle a plus que 2000 points de coque. Je suis à 400. C'est bon, t'inquiète, c'est bon, ça va tenir. Elle est où ma flotte? Non, c'est 200. Chaud, là. C'est tendu du slip. Non. Il y reste ça... 700, sur la base. Ouais, mais nous, on est à... Je suis à 345. Ah, j'ai repris une corvette. Ouais, mais la base est à nous. J'ai repris une corvette. La base est à nous. Si j'avais une corvette en plus qui s'amenait, j'ai 300 de puissance, là. 250. Moi, j'ai 3 flottes, 3 trucs qui arrivent. La base est à nous. Il se bat contre la base, hein. Ah, punaise. Non, la base se régénère pour l'instant, elle peut pas tirer là. Ouais, mais je le harcèle. Je suis à 200 de puissance, 150, c'est la fin. Oui, mais attends, moi j'ai 150 aussi. On est en supériorité, hein. Est-ce que j'ai une corvette qui arrive? Oui, j'en ai une, mais elle est loin. Et moi j'en ai 3 qui arrivent. Punaise. Et toi derrière, t'es prêt à une contre-attaque ou pas? Plus là, ma flotte est en déroute. T'as 717 de puissance quand même, c'est pas mal. Attends, il a plus que 120. Ah oui, on peut. Mais oui, on va gagner. Il a pas 120, il a 138. Je suis 88 moi. 90 lui. J'attaque en juin. Les 120, c'est une flotte d'attaque, d'assaut. C'est la fin pour moi, il me reste plus qu'une corvette. J'en ai une deuxième qui arrive, mais c'est chaud. Hein. Ouais, mais c'est bon, j'ai 4 corvettes. Ah, j'ai pris une. Pouf. Ouais, mais moi, les corvettes qui arrivent, là, les 3 nouvelles, c'est la dernière génération. Ah, par contre, non, c'était déjà ma... Ah, voilà, elle rentre en jeu, c'est bon. Alors, j'ai développé plein de technologies pour la flotte de Fédé, si vous voulez. J'ai fait mal de projets de recherche sur tout le champ de bataille. J'ai chopé de ces technologies à lui. Attends, mais c'est quoi cette bataille de ouf, là? Non, mais là, c'est bon, on a gagné, en fait. Hein. Ah ouais, j'en reviens pas. Alors faites pas la paix tout de suite, il faut que je prenne une qui a un excellent système du coup. Est-ce que... Alors le problème c'est que ça sert pas à grand chose parce qu'il y avait pas de planète là mais... Non mais il y a une bonne nouvelle, ta station régène, on va pouvoir se soigner sur place. Bah oui, on va pouvoir se soigner, on va pouvoir envoyer des flottes et tout. Ah c'est bon ça. Et Nova elle fait 268 de force maintenant. Je suis remonté à 100. Bon alors, il lui reste quoi, 60? Non c'est le transporteur. Oh punaise.
Allez, c'est fini. Attendez, faites pas la paix tout de suite. Faites pas la paix tout de suite. Ah mais non, on va pas la faire. Par contre, si je vous régène... J'ai 14 corvettes. Allez, go. Je veux la part de mon gâteau aussi. Non mais de toute façon, il n'y a pas de gâteau pour l'instant. Je perds une planète, moi. Ah oui, bah, on va la reprendre. On va la reprendre. Bah, on va la reprendre. Il y a une autre station à 900 à dégommer d'abord. Hein. Oui, bon. On va la reprendre un jour. Alors pourquoi ? Ah non, t'as pas le droit, Nelson de l'espace. Nestor. Arrête, Nestor, là-dessus. 100%. Je suis monté à 721. Voilà. Et ça, ok. J'ai une flotte. Bon. System surveyed. Je fais le kéké au sud avec toi. Il faut que j'aille surveiller aussi. Là-haut, là. Qu'est-ce qu'il me fait ? Ah oui, bon, bah il a. Oh punaise, on a ouais. Une flotte de combien là en bas ? Non, mais il arrive. Mince. Est-ce que t'as une flotte de 800, toi ? Je suis Il va me falloir de l'alliage en urgence. Est-ce que t'as une flotte de 800 ? Qui ? Moi ? Ouais. Oui, 807. Eh ben, il nous attaque avec une flotte de 500. De toute façon, elle va se défendre automatiquement. Tu me dis, c'est bouge pas parce que là, j'ai une urgence à régler. Il faut reculer avec nos flottes. Ah bon ? Bah oui, pour que la station prenne. Ursa One. Il faut laisser la... Je suis au soleil, hein. De toute façon, c'est bon. Hein. Voilà. Moi, je me mets un petit peu en retrait. On laisse d'abord la station tanker un peu. Ouais. Et puis, je reviens vers Pandemia parce que c'est la merde. Ouais, je contre-attaque finalement. Parce que sinon, il va la prendre. Voilà. Et toi, tu passes en dernier pour pas que ta flotte... Pour pas que ta flotte soit ciblée en fait. Voilà, bien. Comme ça, tu vas. Bon, moi j'ai perdu la flotte de Fédération. Bon, en même temps, j'ai rien fait, hein. J'ai laissé gérer tout seul. Ouais, mais c'est ce qu'il faut. On va pouvoir défendre. Et du coup, on va lui détruire une flotte de plus. Et ça, c'est bien. Blindage level 2. Je pense qu'on a pris le pas dessus, hein, je pense. Hein. Honnêtement. Il nous reste plus beaucoup hein, pour faire la paix. 6 jours jusqu'à ce que la paix soit imposée soit possible. 2 jours, 1 jour, stop, pause. Est-ce que tu veux faire une paix où tu prends quelque chose? Bah non, de toute façon, s'il impose la paix, il perd plein de trucs, lui. Ah oui. Bah il perd tout ce qu'on peut prendre là, en fait. Oui, faut se régaler. Parce que toi, attends, toi, t'as pris quoi? Espoir, c'est quelque chose que tu lui as pris? Non, ça, c'était à toi. Et j'ai pris Uni. C'est tout. Ouais, donc on lui donne une planète et toi t'as une planète dans Unib ou pas ? Non, pas du tout. C'est juste une station mais avec pas mal de ressources dedans. Ouais, mais on va pas faire la paix si on perd une planète du coup. On va le laisser faire éventuellement s'il nous l'impose. Ouais. Mais nous on va pas la faire. Non. Je vais essayer de pousser et de toute façon, normalement il y a moyen. Au pire, si je les ai pas, c'est pas grave, je vais m'en remettre quoi. C'est pas. Alors que toi, la planète c'est important. D'autant plus important que ça les booste vachement. Ah oui, c'est surtout, voilà, c'est pas que je suis pas une planète près, hein, j'en ai déjà pas mal, mais le truc, c'est qu'il faut pas que ce soit lui qui l'ait, quoi. Ouais, non, moi j'en ai que 3. Mais c'est tellement tendu. On va se faire engueuler par les viveurs, mais pourquoi vous avez pas fait ça ? Ah ouais, c'est clair, là. Bon. On fait ce qu'on a pu. Oh, la guerre a été soldée par un statu quo, et voilà. Nous acceptons, pour l'instant. Et c'est beau, parce que c'est la fin de l'épisode, écoute. Eh ben, c'est parfait. Et moi, je regarde vite fait en stressé Pandemia à côté. Je gérais en off le temps que vous discutiez. Ok. Bon, on a sauvé tes billes. Non, j'ai perdu ma planète. Certes, voilà. Mais... J'y retourne, je rattaque. Voilà. Au prochain épisode, Slan. Ouais, au prochain épisode, ça ira. Je vais pouvoir attendre quelques secondes. Oh, j'ai un astéroïde qui est repéré. Attends, avant de clôturer, il est où celui-là? Ah mais c'est chez toi l'astéroïde? Non. C'est quoi les nus aliens là? Construction complete. Ah, ils sont pas habillés, c'est tout. Eh mais voir. Pandemia, il a foncé à toute vitesse là. Oui, c'est ce que je voyais là, ouais. Il faut que tu fasses ta base à toute vitesse. Et les nus aliens, c'est qui ça? Je ne sais pas, faut enquêter. Oh là, catastrophe. Je vais enquêter pour toi si tu veux. Ouais, je veux bien, ouais. Je regarde un peu, débris... Je veux juste savoir où arrive l'astéroïde. Astéroïde repéré, voilà. Sur Fractime. C'est où Fractime?
C'est pas chez moi, ça? C'est chez vous, le système? Je vois pas de quoi tu parles. Fractal, ça ne dit rien. Je regarde vite fait partout. Ah, si, c'est chez moi. Mince. Alors, sinon, je suis en crise. Tu es en crise? Aïe. Alors, je vais retirer des districts miniers. Ah non, voilà. J'ai fait ma gestion de crise et c'est vraiment la fin de l'épisode, Féa. Est-ce que tu veux attendre le prochain? Oui, oui. Eh ben alors on fait pause cette fois. Bon, une belle petite guerre, hein, Slan, je me suis bien marré. Ah. Une petite guerre sympa. Je suis épuisé. Le dernier espoir continue. C'était un 7e épisode magnifique, moi je dis. Et on vous retrouve au prochain épisode. Bye bye les copains. À plus. À plus.